Sahara, bienvenue. Assurer aux voyageurs qui transitent par le poste frontière algéro-tunisien de l'Ahdada de Soukharas la meilleure des prises en charge et un traitement rapide. Des missions pour lesquelles sont fortement mobilisés les services des douanes algériennes. Pour ce faire, ce poste frontière vient de faire l'objet d'extensions et d'aménagements. Désormais, finies les files d'attente. Les services des douanes, en collaboration avec la PAF, ont à cet effet aménagé deux salles. Une salle pour prendre en charge les formalités de sortie au niveau de la salle de départ et l'autre pour prendre en charge les formalités d'arrivée pour alléger la pression. Et suite les instructions de la Direction générale des douanes, notre service a réservé un guichet pour les handicapés. Des mesures qui viennent conforter celles déjà prises par la Direction des douanes algériennes, telles que l'instauration du couloir vert pour les familles et d'une cellule d'accueil pour orienter les voyageurs et prendre en charge leurs préoccupations. Et ce n'est pas tout, à l'occasion de la saison estivale aussi. Depuis le 18 juin 2017, la Direction générale des douanes met à la disposition des ressortissants algériens qui vont en Tunisie via les postes frontaliers terrestres une application dans le site officiel de la Direction générale des douanes www.douane.gov.dz qui permet d'établir un titre de passage en douane électronique à domicile. Cette disposition permet de faciliter les procédures douanières et d'assurer la fluidité et l'efficacité de traitement. Désormais, ils n'attendent pas plus d'une minute. Ici, d'importants moyens humains et matériels sont mis en place avec en ligne de mire un renforcement des agents douaniers.